ça, c'est deux builders pro que j'ai invités. On va tous devoir build et aléatoirement, on va échanger nos builds entre nous, ce qui fait que chacun va devoir continuer le build des autres en tentant d'imaginer ce que le précédent a pu faire, ce qui va rendre la tâche un petit peu compliquée. Si jamais vous êtes chaud pour voir tout ça, vous pouvez vous abonner. Aujourd'hui les gars, je sais précisément ce que je veux faire, un cinéma. Bon, du coup, dans tout bon cinéma, il y a du rouge, on va prendre du noir, du vert teinté et pour faire les sièges, on va prendre des slabs avec des petites trappes d'or. Voilà, bon là déjà, avec le peu de temps que j'ai, je devrais déjà pouvoir faire un truc plutôt pas mal. Non, attendez, je vais commencer par faire l'écran. C'est quoi? On va faire un écran géant. C'est pas le petit écran que t'as dans ton salon, etc. Là, c'est vraiment l'écran massif. Ok, donc ça, c'est fait. Bon, attendez, vous savez quoi? On va mettre du relief. Regardez ce que je vais faire. On va faire un petit peu dépasser l'écran. Et là, logiquement, ça devrait rendre un truc pas mal stylé. Oh, voilà! Ça fait genre un écran un petit peu incrusté, un petit peu de relief et tout. Ensuite, du coup, on met le vert teinté. Oh non, j'ai pas eu le temps. Ok, bon, bah c'est pas grave. Écoutez, j'ai quand même fini par faire ma commande. Bon, du coup, ils vont juste se retrouver avec un truc dans le mur. J'ai même pas eu le temps de faire des sièges, tout ça. J'espère quand même qu'ils vont un petit peu comprendre. Mais par contre, là, on tombe. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai l'impression que c'est un début de château. Non, mais sérieusement, les gars, regardez-moi tout ce qu'ils ont eu le temps de faire. Et regardez-moi ce que j'ai eu le temps de faire. Bon, alors, on va tenter de faire quelque chose. Là, j'ai l'impression, limite, c'est un petit peu un pont-levis, un truc comme ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre, genre, de la lave pour faire un petit peu, du coup, genre, comme un pont-levis. Bon, par contre, il faut que j'enlève la cuisson des laines. Là, du coup, on va imaginer que, genre, le pont-levis est baissé. Aujourd'hui, les gars, je vous le dis, je suis confiante. Je me sens bien. Je me suis réveillée du bon pied. Aujourd'hui, les gars, je suis bulldeuse en âme. Bon, j'ai peur de dire ça et que dans 10 minutes, vous voyez mon build horrible. Mais normalement, vous inquiétez pas, il devrait pas y avoir de problème. Hein. Ok, le monteur, est-ce que tu peux mettre maintenant à l'écran si dans la vidéo il y a eu un problème avec mon build? Bon, du coup, moi j'ai aucune idée si c'est oui ou non, mais j'espère que vous êtes rassurés. Ok, ensuite on va mettre des petites barrières en haut. Donc voilà, ça fait très très pont-levis tiers. Ok, on va aussi en mettre de l'autre côté. Je sais pas vraiment si normalement dans un pont-levis c'est comme ça ou pas. Bon, voilà, faites-moi confiance. Je vous ai dit aujourd'hui, je me suis bien réveillée. Et au pire, si je fais trop de boulettes, il y a des builders pro pour rattraper ça, les gars. Et oui, c'est la petite astuce de cette vidéo. Ouh là là, bah ils ont intérêt à rattraper ça. Ouh là là. Ouh. Ah, par contre, les bateaux, comment est-ce qu'on va arranger ça? Ok. Ok, bon bah, je viens de téléporter. Oh, j'ai l'impression qu'on est dans la cale d'un bateau. Non mais les gars, comment est-ce qu'ils ont fait ça à deux aussi rapidement? Oh, c'est pas possible. Déjà, vous savez quoi? On va mettre de l'eau. Voilà, ça je sais faire. Ça, c'est dans mes capacités. En fait, je ne sais même pas quoi faire là. Je sais pas quoi ajouter. Ok, si, je sais. On va tout simplement faire le mât du bateau. Donc alors là, c'est pas compliqué, frérot. Je prends de la laine, voilà, de deux couleurs différentes. Et ensuite, j'essaie d'en placer un petit peu. On va quand même non plus pas faire un truc trop droit. Là, c'est pas très beau. On va essayer de faire quelque chose qui vole au vent un peu. Ouh là 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 là, les gars. Ouh là là. Non mais c'est pas possible. Mais en fait, le monteur, il avait raison de mettre non il y a 2 minutes. Fallait pas être rassuré, les gars. Vraiment, si jamais on finit cette vidéo et que le mât ressemble à ça, les gars, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. J'espère absolument qu'un builder va rattraper ça. Mais c'est trop catastrophique. Écoutez, je vais essayer de mettre des petites variations de couleurs pour essayer de me rassurer. Mais je sens que je vais juste empirer tout ça. Attendez, je regarde. Non, mais les variations de couleurs, ça empire juste vraiment. Non mais les gars, en fait je crois que je me suis pas réveillée d'un si bon pied que ça. Ok, bon, ça il y a un truc que je sais faire. Ah, j'allais dire finir la cale. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les gars, je vous jure, je ne comprends pas du tout ce que c'est. Je crois qu'il y a juste un des builders qui a voulu flex avec le fait qu'il savait build en diagonale là. Écoutez, vous savez quoi? Je vais faire mes sièges de cinéma là-dedans. Voilà, on va casser tout ça. Tout ici, on va mettre du bois et je vais faire mes foutus sièges de cinéma, je vous le dis. Je veux pouvoir regarder mon film. Donc voilà, donc là j'ai mon petit truc. Et maintenant, je vais enfin pouvoir faire mes petits sièges. Regardez-moi ça, si jamais ils vont pas être rayonnants. Oh là là, non mais sérieusement. Ah oui, là c'est des grands sièges, franchement. Ici c'est les places VIP, c'est les places en loge. Et ça va faire comme Moyen-Âge, malheureusement. Les pauvres vont être juste là dans une espèce de fosse. Je suis désolée, hein. Ici c'est malheureusement c'est la place des rois. Ok, en vrai ça va. Il faut juste pas cacher le film des autres. On va mettre un peu plus sur les côtés, les loustiques. Certes, place VIP, mais bon, tant pis pour eux. Non! Ah, j'ai pas eu le temps de finir. Ok, alors avec quoi est-ce qu'on se retrouve? Il y a personne qui a touché mon pont-levis. C'est terrible, il y a personne qui a rectifié mon pont-levis ou qui l'a même terminé. Ok, bon, visiblement là, ils ont fait les remparts d'un château qui paraît un petit peu dark, un petit peu... Ouais, c'est détendu apparemment qu'ils se sont passés là-bas. Je sais pas trop l'ambiance qu'il y a, mais écoutez, on va tenter pour le coup vraiment là, juste de respecter le pattern. Voilà, je vais tenter de faire comme ils étaient en train de faire les builders. Ok, ok, là, je crois que j'ai rien foiré. Pour l'instant, tout va bien, tout est respecté. Ouais. Ensuite, hop, on met un fond en calcite. Là, tout va bien jusque-là. Et je crois que j'ai rien fait foirer. Masterclass de ma part. Par contre, là, il faut faire des côtés. Je vous avoue que je suis un petit peu moins sereine. On va faire ce qui est dans nos compétences, c'est-à-dire poser des blocs. Voilà. Et là, on va mettre des petites tours de garde. Hop, regardez, on va mettre un siège. Ça, il va y avoir un garde juste devant. Il va être en train directement d'observer si jamais il n'y a pas des intrus qui essayent de venir. Je vous le dis, ils vont les retrouver partout, mes sièges de cinéma. Voilà, on va mettre un armor stand. On va lui mettre une armure en côte de maille quand même. Si c'est censé
être le Moyen-Âge. Non, j'ai pas eu le temps. Oh les gars, let's go. Ils ont compris que j'essaie de faire un cinéma. Regardez-moi ça. Juste ici, on a des enceintes. Juste là, on a des sièges, genre un petit peu en mode pelouse. Oh les gars, c'est le plus beau jour de ma vie, je suis trop heureuse. Bon, en tout cas les gars, moi les sièges, ils ont pas été terminés et ça c'est une aberration, je peux pas le permettre. Donc on va les continuer. OK, logiquement ça c'est limite le dernier, non. OK, le dernier, il va être là. Ça va être vraiment la place royale, la place bah du coup du roi, de roi tout simplement. Et voilà les gars, mes petits sièges sont terminés. Là, je suis heureuse. Franchement, je suis plutôt bien heureuse. On va quand même en rajouter hop un petit devant. Et voilà, et vous savez quoi? Maintenant, on va s'attaquer à faire un espèce de dessin. Voilà, il faut quand même que les gens ils soient en train de regarder quelque chose. J'ai envie tout simplement de mettre un bouton YouTube, mais c'est trop simple. Donc, ah, j'allais dire, on va commencer par en mettre un, juste pour que les builders comprennent qu'il faut mettre quelque chose. Mais bon, bah, du coup, j'ai pas eu le temps de terminer, donc on verra bien. Juste des chaises qui ont été rajoutées. Attends, c'est quoi? Désolé, personne qui a vu de ça. Il est où le milieu là? Et alors, où est-ce qu'il a avancé le bateau? Wesh, non. En fait, là, je peux même pas dire que c'est Valente qui est trop fort, parce qu'en fait, là, il y a vraiment un abonné avec nous qui est aussi trop fort, en fait. Les builders pros, vous êtes trop forts sur Minecraft, c'est logique que vous soyez des pros. Mais finalement, ça va. En vrai, mon mât ne rend pas si moche. Ça va, en vrai. Non? On va s'attaquer aux petits détails. Là, il manque une échelle pour descendre directement dans la cale. Hop là. Ensuite, ici, on va mettre des sorties pour les canons, parce que mine de rien, par contre, ça, je sais qu'il y avait vraiment à l'époque où il y avait des canons, tout ça. Est-ce que si je fais ça, ça ressemble à un canon ou pas? Oh, je sais pas. Écoutez, je tente des choses, les gars. Canon, bateau, Minecraft. Oh, ça, c'est pas mal et c'est facile à faire. Ok, on va faire ça. Ok, ok, c'est pas mal. C'est pas mal, les gars. On fait un truc bien dans cette vidéo. Ok, et on a fait deux canons. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres canons de bits? Bah, vous savez quoi? On va caler d'autres canons ici. Voilà, de base, c'était peut-être pas l'intention des builders. Mais en tout cas, c'est mon intention à moi. Ah bah ok, bah j'ai pas eu le temps de terminer. Le pont-levis, vraiment c'est pour eux, ils touchent pas au pont-levis. Mais regardez, ils ont mis des tours. Ma pauvre petite, mon pauvre petit soldat, lui non plus, il a pas bougé. J'ai l'impression qu'il y a personne qui veut toucher à ce que je fais. Après qui sait, hein, peut-être que ça veut dire que c'est bien. Ok, du coup lui on le met en full chaîne. Est-ce que par hasard je peux lui donner un arc ou pas? Non, je peux pas. Et oh! Tiens, ils ont fait un petit... Oh là là, les gars, ils ont commencé l'animation. Non, mais sérieusement, c'est trop bien. Ils comprennent tout le temps ce que je veux essayer de faire. Donc, c'est trop bien. C'est quoi? On va tenter de faire une petite histoire. Du coup, là, on a tout simplement l'Overworld. Et moi, je vais tenter de faire le Nether juste à côté. Il me faut de la lave. Ok, là, les gars, il va falloir être très, très fast. Ok, on est fast. On bouge. Ok, 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 c'est bon. Oh, j'aimerais bien essayer de caler un strider, mais je pense que ça va être un petit peu galère, malheureusement. Hein. En tout cas, ici, on peut mettre un poulet. Alors, faut pas qu'il s'échappe, faut pas qu'il s'échappe. Okay. Bon, il a pas l'air du tout déterminé à s'échapper, donc c'est parfait. En Nether, il y a de l'obsidienne et des blocs d'or pour les bastions en vrai. Oh, mais attendez, mais si, il y a forteresse! Nether brick, mon grand! Ben oui, ben regardez, parfait! J'ai trouvé exactement ce qu'il nous fallait. La lave, vous savez quoi? On va plutôt la mettre en dessous. Genre, voilà, parce que finalement, c'est la couche en dessous du Nether. Ici, les forteresses. Et en vrai, oh non, j'ai pas eu le temps de refermer! Bah, visiblement, on vient d'arriver sur un navire qui coule un petit peu. Ok, bon, c'est pas forcément très très bon signe. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Oh! Aidez-moi ça, c'est un gouvernail ça. Bah apparemment il y a un gouvernail qui a été fait et du coup ils ont rempli la cale d'eau. Mais là je vois, j'ai l'impression qu'ils galèrent un petit peu à améliorer. Ah non, j'ai rien dit en fait. Ils ont fait tout le mât avant. Bon vous savez quoi les gars, moi je vais faire un mini autre bateau à côté. Voilà, oh ils ont mis un petit poisson bébou. Abonne-toi. Ah mais ça c'est trop malin. Mais les gars c'est même pas moi qui l'ai mis, vous l'avez vu. C'est même pas moi qui l'ai mis mais c'est totalement réel. En tout cas nous on va faire la contre-attaque. On va mettre un autre mini bateau à côté. Et bon je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Mais très franchement j'essaye. Ici on va mettre un canon. Ici aussi, logiquement, le constructeur, ils ont forcément mis des canons des deux côtés. Oh, attendez, les gars, je vais essayer un truc. Franchement, si ça fonctionne, dites tous dans les commentaires, s'il vous plaît, que c'est une masterclass. En gros, est-ce que je peux mettre du feu juste devant les canons comme ça? Si ça reste, les gars, c'est incroyable. Comme ça, on dirait que les canons, ils sont activés. Pour l'instant, le feu, il m'a l'air de rester. Là, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On va mettre du verre devant pour qu'il dirige quand même le bateau. Ah ok, on a été téléporté. Oh attendez, mais regardez-moi ça. Au cinéma, ils ont fait un espèce de petit plafond tombant. Franchement les gars, je vous jure, c'est un architecte qui regarde ces vidéos qui va reprendre le design. Bah les gars, c'est cadeau. C'est offert par la maison. Parce que là, je suis sûre qu'il y a un vrai vrai truc à faire comme ça. Un cinéma en plein air avec une partie quand même qui est un petit peu couverte et une autre partie avec des lampes tombantes et un plafond haut. Masterclass. Bon en tout cas, moi je profite pour terminer du coup mon Nether. Hop, on va mettre un petit peu tous les éléments. Le Nether, il me semble qu'il a un fond un petit peu violet rose. Là les gars, si je suis très très honnête avec vous, j'ai un petit peu peur de tout ruiner. Bon ok, ça ruine tout, ça ruine tout. On va enlever, on va enlever. On va se contenter d'un ciel gris, ce sera très bien. Voilà, comme en Bretagne, un petit ciel gris. Ok, et franchement la petite partie Nether elle est bien. Et du coup maintenant le dernier tiers qui reste, on va faire une petite partie end. Non non, attends attends, hey, oh, tu t'échappes pas pendant que je parle d'un truc toi. Toi tu t'échappes, regarde ce qui te passe.
Voilà, tu meurs. Donc toi, tu t'échappes pas, ok? On va faire, je pense, une end city. En vrai, c'est ce qui me paraît le plus logique. J'ai dit, on va en poser un là. S'il s'échappe, c'est, il passe directement dans la lave, de toute façon. Ça ressemble pas du tout à une end city, ça, attendez. En vrai, une end city, il me semble que c'est genre un grand pilier. Et après, ça va de part et d'autre. Ok, eh, c'est pas mal. Ok, avant dernier TP. Oh non! J'ai pas le temps de terminer là, du coup. Mais regardez-moi le bateau, comment est-ce qu'ils l'ont amélioré. Mais en vrai, c'est trop une dinguerie d'être un builder pro. Tu commences avec un truc tout nul et tu te retrouves avec ces trucs-là au final. Par contre, ça me fait plaisir. Je vois que l'idée de mécano a été repris. Ah bon, même si c'est pas non plus trop mon idée à la base. Bon, on va quand même mettre un commandant aux commandes de ce navire. Aujourd'hui, ils seront tous en côte de maille. Pour moi, c'est que le Moyen-Âge tout partout. Prenez-moi ça, ma gueule. Ok, on va quand même lui mettre une armure en fer un petit peu. La tête, ce sera un petit Steve. Est-ce que j'ai pas moyen d'avoir la tête d'Alex par hasard? Ok, maintenant, vous savez quoi? Il se battra maintenant contre une armée d'Ender Dragon. Allez hop. Je vais refaire ma super astuce qui, franchement, est incroyable pour les autres canons. Oh là là, là, ça fait vraiment une vraie bataille. Franchement, je suis désolée, mais je trouve que ça rajoute une action absolument non négligeable. Dernière téléportation, mesdames et messieurs. Et il y a le pont-levis qui a officiellement été refait pour un truc un petit peu plus sombre, un petit peu, voilà. Et par contre, le pont-levis, là, il me paraît bizarre. Je vais prendre la liberté de faire ça. Peut-être on va mettre des barreaux en fer. Voilà, on va mettre des barreaux en fer. Peut-être ce sera un petit peu mieux. Je sais pas, les builders me diront. Peut-être j'ai fait de la merde, peut-être pas. En tout cas, l'intérieur du château n'a absolument pas été fait. Donc là, on va faire une petite astuce digne de moi quand je finis pas mes builds en vidéo. C'est qu'on va mettre de la concrete noire, mesdames et messieurs. Et oui, on va faire comme s'il y avait un faux fond. Par contre, si on n'a pas le temps de finir, c'est la merde, hein, clairement. Ok, c'est bon, le faux fond est réalisé. Donc là, certes, ça paraît tout moche, mais regardez-moi ça. Si on passe de l'autre côté... Ok, bon, c'est pas très beau non plus, mais écoutez, hein, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Sinon, on voyait un intérieur encore plus laid, donc voilà. Non, en vrai, la petite technique, les gars, c'est de mettre tout simplement du vert teinté. Et voilà. Ah, attendez, les gars, mais j'avais même pas vu. Mais qui a eu le temps de faire un dragon comme ça? Mais la tête de ma mère, maintenant que je prends une heure à faire ça, les gars. Regardez, il y a mon pauvre petit soldat qui est là. Non, mais c'est pas possible. Et vous savez quoi? On va faire en sorte que c'est un soldat qui soit sur le dragon. Regardez, la monture, on va la mettre ici. Voilà, mets-toi bien, ride ce dragon. Et bon, c'est dommage, du coup, on verra jamais contre quoi est-ce qu'ils sont en train de se battre. Parce que le temps est terminé. Du coup, les gars, temps terminé. Est-ce que vous avez fait des masterclass ou pas de votre côté? En vrai, ouais. Ok, bon, j'ai deux questions là. Déjà, qui est-ce qui a fait ce dragon de fou malade? C'est moi, mais c'est possible que des gens aient bougé des trucs dessus. Ok, mais non, franchement, Pay, c'était incroyable. Je te le dis, c'est une masterclass. Et c'est qui a refait le pont-levis? Moi, j'ai commencé à le toucher parce que le bois était pas ouf. Ok, merci. Non, en vrai, franchement, heureusement, quelqu'un l'a refait. Maintenant, on va passer au build juste à côté, le petit cinéma. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il y a une arme de pointe? Pourquoi il y a un canon qui est arrivé? C'est une antenne? Ouais, c'est une antenne. Ok, je crois que c'était genre un canon, un satellite. Ok. Ok, là, on a la petite entrée du cinéma. Non, franchement, je suis contente parce qu'au début, j'ai juste fait des sièges. J'ai vu la structure, je savais pas trop ce que c'était. Et au final, ça a très bien terminé. D'ailleurs, je sais pas qui a mis le beau petit cadre. Le cadre, c'est marrant. Vraiment, pour ce build-là, j'avais aucune idée. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire un toit. Parce que bon, s'il pleut. Mais en vrai, franchement, je trouve les builds de Minecraft, si vous étiez des architectes, vous, ce serait incroyable. Allez hop, venez. Oh, wesh, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Il y a de l'orage. Oh, mais vous êtes trop fort. Mais je vais péter un plomb. Mais c'est trop bien. Bah, franchement, c'est incroyable. Et est-ce que vous êtes fiers de mes canons ou pas? En vrai, c'est une bonne idée. Et c'est qui a amélioré ce bateau pour savoir? Je l'ai fini en rajoutant les petites voiles et tout. Non, les gars, vraiment, vous êtes trop forts. Vous avez fait des masterclass. Ok, bon, du coup, juste ici, j'ai ramené un juge. Sky, selon toi, c'était quel le meilleur des trois builds? Pour moi, le meilleur des trois builds, c'était celui avec les bateaux. Surtout à la fin, quand ils ont rajouté les nuages avec les éclairs, c'était vraiment trop stylé. Bon, les gars, dites en commentaire, selon vous, qui a fait le meilleur build? Eh, s'il vous plaît, j'ai jamais personne qui choisit mon idée. Voilà, j'espère vraiment qu'en commentaire, il y en a qui vont le faire. Bref, sur ce, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme ça.